Nous avons trouvé un trésor de guerre inestimable à l'intérieur de cette vieille demeure. Et cela nous a conduit à nous interroger sur la vie de ses habitants, à la fois mystérieuse et émouvante. Et c'est en fait dans la partie la plus reculée du manoir que nous avons découvert quelque chose auquel on ne s'attendait pas du tout. L'exploration que vous vous apprêtez à regarder nous a vraiment bouleversés, au point que j'ai eu du mal à dormir pendant une semaine. Je ne parvenais pas à réaliser ce que nous venions de découvrir. Et il me fallait absolument revenir dans ce manoir, cette fois avec Céline et Jimmy, pour enfin comprendre ce qui s'était passé. Et nous allons nous retrouver au cœur d'une histoire bouleversante et vraiment mystérieuse. Tu vas voir, Jimmy, il y a beaucoup de traces du passé. Et tu vas comprendre avec les indices quel était le métier. C'est garde du pharaon. Tu vas voir en fait quel était le métier de cette personne. Je me demande si c'est pas lui justement, le propriétaire de la maison. Et ça déjà ça te donne un indice. Regardez un peu les amis, on arrive directement dans le lieu. T'as vu ça un peu? C'est une belle explo là, qu'on commence. Ouais, c'est vraiment un trésor. Et c'est un lieu au niveau histoire, tu verras, il y a de quoi faire. Là aujourd'hui je suis vraiment venu pour enquêter. Déjà le calendrier 1985, tu vois déjà. C'est déjà. Ça fait combien de temps? 30 ans. 20 ans, ouais, il paraît. Mais ça peut faire plus. Vu le dernier calendrier. Ouais. Peut-être. Ça. Et déjà tu vois les fauteuils, tu vois les chaises et tout, ça fait un peu ancien. Ah ouais. Et là David avait son petit côté couture avec la même que dans le. Ouais, même rappelle un manoir qu'on avait exploré. Si quelqu'un a envie de faire des pulls comme le mien, ben, vous pouvez commencer. Ouais, ça c'était la. En fait, non, c'est pas la porte d'entrée principale ça. C'est la porte d'entrée de la dépendance ça. Bon, ça on dirait que c'est pas la partie la plus intéressante. Elle est plus récente, on va dire. Elle a été construite après. Je pense qu'on va s'attaquer direct à ça. Ouais, on va tout voir de toute façon. Et vous allez voir la chambre qui est ici. Un régal. Regardez un peu cette chambre. Ah, mon chapeau, regardez. Le nouveau chapeau de Clément Exploration. Pour vous, qui peut appartenir une telle maison, une telle demeure? Qui est quand même assez luxueuse hein, pour l'époque. Hein. Pour moi, ça peut être un médecin, tu vois. Je dirais. Bah, une si belle maison, c'est en général, c'est des gens... Ah, tu veux des culottes? Ah, donc c'était sa femme là qui dormait ici. Bah, c'était en tout cas c'était les vêtements de sa femme. Ouais, bah oui, donc elle est sûrement venue là. Parce que là, il y a la lingerie de la dame. Ah, ouais, non, mais il y a sa lingerie, bah, c'est ça. Là, c'est les... Mais t'as vu, c'est resté ça depuis, je sais pas, peut-être 50, 60 ans, 80 ans. On sait pas. Hein. Je sais pas de quand ça date ces culottes. Je sais pas. Trouver quoi? Ah, danse. Elle faisait de la danse. Danse classique. Fédération française de danse. Je masque le nom, mais. Ouais, t'as raison de masquer le nom, ça on sait pas où c'est. Ouais, ah, peut-être 85. 85 l'abandon. Ouais, donc ça fait peut-être 40 ans alors que c'est à l'abandon. C'est ce que je t'ai dit, au moins 30 ans. Ouais, au moins 30 ans. On est vraiment aujourd'hui venu spécialement ici pour enquêter sur l'histoire. Non, je pense pas que ce soit un plancher, mais je pense que c'était une pile. Ah oui. Ça devait tourner pour sonner. tu vois le truc qui tourne là. Ça fait flippant. Mais ça peut tourner, bien vrai. Je pense que si tu remontes beaucoup. Ah ouais. Non, mais là, t'es en train de programmer un réveil là. Et on va pas dormir en vieux là. Ah ouais, je suis génial. Il bouge tout seul le truc. Je referme. Bon, Céline est en admiration et elle a raison. Moi, je suis en admiration, ouais. C'est pas trop classe. C'est vrai que quand on voit la bâtisse, on n'imagine pas qu'il y a ça à l'intérieur quand même. C'est magnifique. C'est hallucinant. Ouais. Regardez, ça s'appelle. Elle m'a dit, alors, c'est un truc, un corbeau. C'est une façon qu'il faisait avant. D'accord. En tout cas, la hauteur sur le plafond. Ah oui. Ça sera dit dans une demi-vidéo, mais je ne sais plus. C'est un truc une voûte en corbeau, un truc comme ça. Après, on ira au salon en bas et au grenier en haut. Alors, au grenier, il y a une surprise. Hein, au grenier, si ça n'a pas été volé depuis, il y a une grosse surprise, un truc assez incroyable. Mais ça, les gens le découvriront plus tard dans l'explo. Ça se voit pas, ça? Je sais pas. C'est peut-être une décoration. Et regarde, quand t'arrives là. Quand t'arrives là. En fait, c'est qui les entoureurs? En vrai, c'est pas con, ça fait les plus accueillis. Je sais pas. Ça, je sais pas. Il y a plusieurs explorateurs qui l'ont visité.
Déjà. Par contre, j'ai vu qu'ils ont disparu là, là, il y aura des trucs. Oui, bah déjà, ils ont volé les armes. Alors, celle-là, ça n'a pas été volée encore. Mais ils en ont volé plein des arbres comme ça. Enfin, il y avait plein de arbres comme ça devant lui. Ah oui. T'es prêt pour. Ah oui, il a un pourrouillé comme. Mais ça va encore. Ah bon, après la garde, je ferai pas confiance. Non, non. Je dirais pas faire Il y a un tableau qui a disparu. Ouais. Ouais, sûrement, ouais. Ah bah oui. Ah, pas sûrement. Nous allons, au fur et à mesure, reconstituer non pas seulement l'histoire de ce lieu, mais surtout la vie quotidienne de ses habitants. Nous avons eu l'impression de vivre quelques instants avec eux. C'était comme un voyage à travers le temps et l'espace, une sorte de retour en arrière dans une période difficile de l'histoire, où les crimes les plus horribles ont pu être commis. Nous ignorions à ce moment-là la véritable valeur de ce que nous explorions. Oui. Ah mais j'avais pas vu ça. C'est quoi, c'est caché en fait. En fait, à la base, ah bah, c'était un fan d'art, non, on le voit direct. C'est comme ça. Ah ouais. En fait, il y a plein de placards secrets, ouais. Mais t'es bien bloqué le placard. Ah, c'est bien. Regarde, c'était un fan d'armes effectivement. En fait, c'est quelqu'un qui se remet aux armes. Ouais, il lui faut du tir. Mais du coup, moi, je pense que c'était un ancien soldat. Je pense. Ah t'as rien. En fait. Ouais. Ah, c'est ça. En fait, c'est juste qu'il veut s'en souvenir. Mais en fait, il y a plein de trucs planqués dans ce. Dans ce pays. Alors. Je pense qu'on va s'attaquer au salon et on finira le grenier vraiment à la fin. Comme ça, on finit avec le Graal, comme ça. Enfin. Donc voilà, préparez-vous à descendre. Les entrailles. Pas de la terre, pas les entrailles de la terre cette fois, mais. Bon, mais dans un spot, et là c'est pareil. Moi j'ai vu des photos. Mais là, tu vois, il y avait les armes qui étaient, ouais, c'est ça, qui étaient accrochées là. Il y a encore des trucs là. Mais c'était venu à quand, longtemps. Oh, il y a une semaine. Il y a une semaine. Il y a une semaine, elles n'étaient plus les armes déjà. Quand je l'ai fait, les armes n'étaient plus. Bizarre. Regardez un peu ce. L'escalier, je sais pas si c'est du marbre aussi. Ouais, sûrement. Hein. Regardez un peu ce salon. Il est sympa. Hein. T'aimerais bien avoir un petit salon comme ça chez toi, là. Tu vas lire ton petit livre. À l'époque, ils avaient quand même du bon goût, hein, je dis. Hein. Ils avaient quand même des. Le plafond, c'est en train de se casser là. Ouais, mais c'est pour ça. Le coffre, tu sais, on dirait presque. Hein. Il y a un côté presque château, tu vois. Moi, je trouve. Ah, c'est exceptionnel. En fait, c'est un manoir. Ouais, c'est un manoir, un vrai manoir. Parce qu'avant, il était tout seul ici, il n'y avait pas d'autre truc. Ouais. Qu'est-ce que c'est écrit là ? Balade. Ah, c'est peut-être un poème, je pense. C'est un poème de balade. Chocolat, révision. Chocolat. Mais là, c'est pareil, il y avait un fusil. Avant, il y avait des fusils là-haut aussi. Ouais. Ah, mais ah, ouais, mais ça. Oui, là, il y avait un fusil. Tu sais, c'est la trace, peut-être. Ouais. Oh, calme. Moi, je trouve que c'est beau, mais en même temps, assez glauque quand même. Hein. Je trouve ça. Il y a un côté. Ouais. Très glauque, presque flippant, tu vois. Très glauque, mais non, il est beau. Ouais. Pas flippant. En fait, non, il est très beau. Fermé. Oui. Tu ouvres, en vrai, c'est magnifique. De... Par contre, j'ai vraiment peur des plats. Quand je vais tomber sur la tête, c'est notre plafond. Hein. Ouais. De vers celle-là, elle peut t'attendre. On va pas traîner non plus. Ouais. Mais, regarde, par exemple, ce meuble. Regarde un peu la beauté de ce meuble. Mais c'est beau. Hein. Ce que je disais, on dirait de la. Je sais pas si c'est genre plaqué ou pas. Et dans le coffre, quoi. Ah, j'ai regardé, c'est le bois. Il y a encore le bois. Ah, c'est le bois. Ouais. Tu vois, pour pas que ça fasse moche, tu sais, quand tu mets ton bois à côté de la cheminée, ben... Mais t'as une chose, ça, ça doit être accroché quelque part, hein. Ah oui, on voit le pied avec les petits ancles juste en dessous. Ah ben, il était accroché, celui-là, moi, quand j'ai visité le lieu. Médaille d'honneur, tu vois, il y a des trucs qui ont bougé. Ah, le lieu, c'est comme le jeu des stars, ils sont en train de le vendre, le voler, j'ai l'impression. La sculpture qui est juste là. Ah oui, voilà. Quand on voit des trucs qui ont été... Ah mais derrière, tu vois, il doit y avoir des putains de documents. Ah ouais, mais en fait, c'est ça, ils sont sous sa vie. Pour... Donc là, c'est la cave. Ah, le grenier, la cave déjà explorée. Là, le haut, même. Quand on aura fini l'étage de plus bas. Oui. Ouais. Là, voilà. Bah, tu vois, une semaine, je suis sûr qu'il y a des trucs qui ont été encore volés. Oui. Regarde, le téléphone, ça te rappelle pas un manoir encore? c'est ce que je disais, c'est très similaire là, même le mobilier. Hein. Oui, la même époque, je pense. Oui. Alors, on peut être plus riche, ah, peut-être. Mais... Tiens, tu veux t'appartir? Voilà, t'as les clés. Est-ce que c'est les bonnes? À mon avis, c'est pour autre chose. Regarde la forme des clés. Ah oui, je sais pas quoi, c'est peut-être la clé de la cave, peut-être. Je sais pas. Non, la clé du garage, c'est peut-être un garage. Regarde un peu, ça, regarde, elle a quand même la. Ce petit salon d'époque là aussi, exceptionnel. Regarde là, t'en as d'autres. Il y a une dépendance ou pas? Oui, il y a une dépendance. Ah, et bon, on ira après.
On l'explorera à la fin, la dépendance. Moins intéressante. Non, elle est pas moins intéressante. Elle est plus moderne, mais elle est truc très très intéressant. Il y a de l'argent, notamment des vieilles pièces de monnaie et tout. Mais bon, ça on y arrivera après. Ouais. Je vous spoile pas encore une fois. Je suis pas là pour ça. Et encore une fois, on explore un lieu. Tu as parlé au plafond, en fait. C'est un cache bizarre, ce plafond. Ah ouais, mais c'est ça. Hein. En fait, le plafond ne tient vraiment pas. Ben, je tiens un truc. Il y a une semaine, tout s'était pas tombé, tout ça. Hein. Je crois pas. Hein. Ah si, vous n'avez peut-être pas fait gaffe. Ah, j'ai pas fait gaffe, alors. Hein. À mon avis, c'est pas tombé comme ça. Une semaine. Ce qui m'a surtout intrigué, c'est qu'on a vraiment l'impression que ce lieu a été abandonné il y a au moins 30 ans en arrière. Mais surtout que ça s'est fait du jour au lendemain, et tout serait resté en quelque sorte figé. On imagine les soirées au coin du feu dans ce salon. On imagine tout de suite le contexte de guerre et de rationnement qu'ont subi ses habitants. À l'image de ce qui peut se passer aujourd'hui en Ukraine, un avenir incertain où tout peut basculer à tout moment. C'est presque émouvant de voir ces statues qui semblent nous regarder tout comme ils ont regardé ces habitants aujourd'hui disparus. Car oui, ces personnes dont on va découvrir l'histoire, nous l'apprendrons plus tard, seraient nées à la fin des années 1800. Nous allons continuer ce voyage temporel, toujours dans cette quête, cette recherche d'indices pour reconstituer cette partie oubliée de l'histoire. T'as vu quand même le vieux chaudron magique? Ah mais c'est impressionnant. Ouais. Alors, on est tellement subjugué par ce lieu. Enfin, je sais pas vous, mais... Ah mais attends, alors ça va plaire à ton ami historien, ça. Ah ben voilà. On peut servir un petit alcool, quand même. Comment? Tu as envie d'un petit alcool? Bah regarde, il y a tout. Ah attends, j'ai pas vu. Attends, je vais venir voir. Regarde, on dirait des tirelires. Ah mais on peut se faire un festin, il y a même à manger. C'est clair. Il y a encore le plat, regardez sur le... Ça doit être la clé du meuble. Oh, c'est trop bien, il y a même de la farine. Enfin, les gâteaux, tu sais. On fait des crêpes. Des crêpes. Allez. Ah. Oh, regardez comme ça, incroyable. Ah, mais oui, t'as raison, tu mets l'alcool en bas. Ah, oui, absolument. Absolument tout, hein, comme tu dis. Ah, oui, là, t'as des verres chinois. Oh, les apéros. Mmh. T'as des tasses chinoises. Ah, bah, t'as tous les apéros. Oui. On va se faire un apéro. Attends, ça vient d'Indochine, ça. Comme il y a eu la guerre d'Indochine. En fait, j'ai envie de l'attraper, mais j'ai pas envie de l'étonner parce que j'ai peur que ça soit fragile. Ça pète aussi, donc. Ça me pète dans les doigts. Le petit alcool. De l'armagnac. L'armagnac. Il est magnifique, je reste bouché. Il me rappelle vraiment le maintenant dans trois lois. C'est la chine. Oui, c'est vrai. C'est le même genre. Ça y rappelle. Mais c'est vrai que. C'est le même genre. Ça, c'est les photos d'ici, ça. Oui, c'est ce que je te disais. Photos d'époque, j'ai trouvé un peu sur le. Tu comprends pourquoi c'est Ad. Elle est asiatique, elle. Ah, attends, il s'est marié avec une. Emily, elle est un petit peu. Je sais pas si c'est la fille ou quoi, mais elle est asiatique, elle. Je dirais qu'elle est typée. Alors, je sais pas d'où. D'où peut-être la décoration asiatique, peut-être. C'est par rapport peut-être à ça. Que lui, il aimait bien l'Asie. Hein. Oui, c'est possible. Du coup, peut-être qu'il s'est marié avec une. 1984. Il y a encore un document, là. Attends, ça, c'est quoi ça? Bah, ça, c'est le plan cadastral, à mon avis, ici. Hein. Ah, ouais, le quartier, ouais. On va pas trop filmer. Oui. Je trouve la cuisine un petit peu en dessous. Ah, ouais. De ce qu'on a fait. Elle est très simple la cuisine. C'est... Ah oui, elle est sympa, mais c'est. C'est pas non plus. Ouais, on a c'est... vu plus beau en cuisine, tu vois. Mmh. C'est étonnant parce que la cuisine est très très simple par rapport au reste. Tu vois. Bah, peut-être qu'ils ont employé des cuisiniers, tu vois. Et que... Ah, c'est vrai qu'elles sont jolies, les petites cuillères. J'ai pas vu, tu vois. J'étais passé à côté. Elle fait une sorte de petit micro-ondes d'époque aussi. 1985. Non, c'est un peu mieux. Putain, il y a la toile araignée, tu vas aimer ça, Jimmy. Hein? Et la toile araignée, tu vas aimer ça, Jimmy. Ah, oh, t'inquiète, il a du cul maintenant. Hein. Oui. C'est Jimmy qui prend les toiles d'araignée. Voilà. Ouais, pour une fois. T'inquiète. Oh mon dieu, Spider-Man est passé. Ouais, Spider-Man, il est passé là, t'as raison. Mais en fait, juste avant un truc. Ouais. J'ai l'impression que c'est pas la cuisine d'ici, ça. Non, il y en a une autre. Ouais. Tu sais qu'il n'y a pas une autre cuisine? Bah, peut-être, mais je l'ai pas trouvé. Parce que, on dirait la cuisine de jardin. Peut-être, hein, mais il faut trouver du coup la. Regarde, par contre, je me demande s'il n'était pas. Regarde, ça, y a tous, beaucoup tous les cabinets là-dessus. Ouais. Toutes les toilettes. Il y a plein de. Parce que c'était pas son métier, ce qu'il réparait pas, mais ça m'étonnerait regarde, pour un tel manoir. Bah, à mon avis, tu veux savoir un truc, ça c'est sous des chats qui devait peut-être remplacer pour le manoir. Ah, c'est possible, hein, qu'il est. Ouais, qu'il est ah, c'est étonnant qu'il y en ait autant, tu vois. On est où, en fait, on est dans le sous-sol.
Non, parce qu'il y a une cave encore plus bas. Ouais, c'est ça. Ouais, mais là, on est dans le sous-sol, on n'est pas dans la cave, c'est ça. Bah, ouais. Parce que... On dirait vraiment genre un truc de plomberie. Oui. Regardez tout ce qu'il y a en haut. Bah, c'est ça. C'est une quantité... Même, regarde. Là, t'en as, ils sont neufs. Bon, les amis, on va aller à la cave. Je vais leur faire découvrir la cave qui vaut vraiment le détour, hein, je vous le dis. Alors là, tu vois, sous l'escalier, tu vois, bien sûr, la cave, parce qu'il y a toujours une cave. Mmh. Tu veux aller en premier? Non, tu veux pas aller sur la nuit, je sais. Après, c'était lui, il se met. Ouais. C'est encore sous plastique. Ouais. Bah oui, c'est... Alors la cave, je peux te dire que... Bah franchement, il y a l'intérêt quand même. Bah en plus, j'ai plus grand que toi, du coup, je les prends quand même. Ouais. Oui, c'est ça. Tu as cette malchance de la taille. Là, il devait y avoir un coffre-fort ici, tu vois, déjà là. On dirait, non? Ouais, une sorte de... Ouais, un coffre. Bah oui, c'est un coffre, regarde. Regarde. Ouais. Ah, c'est ça, coffre-fort. Ouais, il a été forcé ou là, il a été ouvert. Bon. Mais sont... il y en a des pleines, il y en a des vides, tu veux voir. Regarde un peu, là. Où est-ce qu'on arrive? Ouais, c'est une des plus belles caves, je pense, qu'on a vu en exploration, je pense. Oh là là. Alors elle est jolie, ouais. Elle n'a pas ce côté dommage un peu pire, elle serait ouais, pire. Ouais, c'est ça, elle est quand même moins belle. Genre ça, on aurait eu un mix avec celle de... Genre cette cape remplie comme ça. Ouais. Avec celle du papier. Ouais, ouais. Regarde. Ouais, elle est belle après. Non, elle le vaut, mais elle est différente, je pense. Oui, c'est ça. C'est après, le plafond, c'est pas voûté comme l'autre, c'est... Mais, ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment tout. Il y a aussi tous ces tonneaux, tu vois. Ça semble bien. Ah là, ça s'est cassé avec le poids, en fait, ils mettaient des trucs à l'intérieur. Ah, c'est... C'est un sacré trésor quand même, regardez tout ce qu'ils ont entassé là aussi. Ouais, mais en fait, ils sont servis comme des... Mais ils devaient faire leur propre vin à mon avis, mais après ils ont... Regarde, t'as trouvé une petite astuce là. Et après ils ont servi pour rangement en fait, pour ranger les bouteilles. C'est fou. T'as vu ça? Est-ce que tu pensais... Moi, c'est vrai que c'est une des plus belles caves que j'ai vues en exploration. Magnifique avec tous ces trucs. Du rouge. Mais tu sais que celle-là, elle est pleine par contre. Oui. Non. Ah oui? Non, elle est pleine. Regardez, on entend le... Ouais, on entend encore le bruit à l'intérieur. Ouais, c'est... Il y en a une quantité quand même. Moi, je pense qu'ils produisaient leur propre vin. Je vais pas le bouffer. Là, il y a encore du matériel aussi. Là. Mais tu vois, elles sont toutes pleines. Hein. Mmh. Ouais, elles sont toutes pleines. Il y a encore le vin, quoi. Regarde. Et c'est à l'abandon, quoi. C'est délire. Hein. T'entends aussi, elle fait bloc. Mais celle-là, c'est quoi celle-là? Mmh. Non, parce qu'à tout moment. Ah, t'as des étiquettes. 73 ce vin. Ah oui, c'est pas mal. Ah, il a eu le temps de vieillir, là. Oui, il a eu le temps de vieillir, ouais, ça. Tu sais qu'à tous les coups, vu qu'il fait frais, il est bon. Conservé. Bah oui, il a été conservé. Faudrait. Prends en photo ça. Mmh. Juste ce plan de ça. Oui. Et tu regardes sur internet, ça vaut ça. Ouais. Voilà, c'est juste le bouteille vide. Mais tu vois, c'est le bouteille vide, il est gardé, je pense qu'il est vraiment. 82 celui-là. Pour moi, pour avoir autant de bouteilles, c'est pas genre juste pour ta propre consommation, je pense. Mais t'as vu la taille du bâtiment? Ah oui. Eau de Gouin. Pourquoi pas, hein? Tu sais, c'est juste cumulé au fur et à mesure des années. Ouais. Tu sais, si pendant 100 ans, ils ont cumulé les bouteilles. Ah, ça peut être une grande famille. Bon, maintenant, ce qu'on va explorer, je crois, c'est. Non, mais attends. Quoi? Putain, tu veux fumigène, toi? Ah, peut-être. Qu'est-ce que ça fait là, du coup? Toute contrefaçon sera poursuivie. Vie, oui. Nos maîtres. Reste que ce soit bien. Les amis, on va passer au grenier, et si ça n'a pas été volé, il y a des trucs vraiment qui vont vous intéresser au niveau historique. C'est vrai. Et il y a sûrement la réponse à beaucoup d'interrogations. On va peut-être réussir en explorant le grenier, c'est Clément, le guide de comprendre ce qui s'est passé au niveau histoire. Donc on va y aller. Allez. C'est parti. On va remonter. Ouais. Si on veut, on peut vraiment refermer le livre. Bon, les amis, on va s'attaquer à l'escalier un peu vertigineux, mais qui vaut le coup. Alors, un par un, par contre. Hein. Putain, ça craque. Par contre, c'est flippant. Hein. Oh là là, moi, j'aime pas ça. Hein. J'aime vraiment pas ça. Chaque fois que tu marches, tu perds cette vitesse. C'est vraiment parce qu'il y a un truc intéressant là-haut que j'y vais. Hein. Je vous le dis de suite. Hein. Allez, à vous. À vous, ça donne le vertige. On revient là. Deux par deux. J'ai une bonne escalier. Ah ouais. Impressionnant. Ouais. Non, le plus impressionnant, c'est le grenier en lui-même. Hein, ouais. Ouais, mais là, c'est son. Non, mais. Tu sais que ça tourne, ça a toujours craqué comme ça. Ouh, ça glisse. Mais c'est incroyable. Oh. Tu vas halluciner. Ça glisse, là. Fais gaffe à la. Par contre, fais gaffe, tu vas mettre le piston de grenade. Hein? T'as failli mettre le pied sur une grenade. Où ça? Oh! Mais attends, qu'est-ce que c'est ça? Attendez, je vous montre. Oula! Ah ben voilà la case de mission. Là, la guerre, on est prêt là. Il y a du... Avance un peu, c'est mieux que... Vous avez l'embarras du choix, hein, si vous voulez. Est-ce que tu mets une guerre?
le casque et tout. Merde, c'est un trésor militaire, hein, c'est... Oh là là. C'est incroyable comme, c'est des... comme découverte, ça. Ah, si, c'est des vrais, en plus. Ouais, c'est des vrais, hein. C'est... Non, mais c'est ça, ça fait des... Ouais, oui. Non, là, c'est vraiment... ça a servi sûrement à la guerre, ce casque, je pense. Mais le propriétaire était militaire, ça veut dire, peut-être, non? Qu'est-ce que t'en penses? C'est un résistant, ouais, ou... C'est du 762, ça, non? Mais c'est d'époque, hein. C'est ça, regarde le masque, alors il est en train de... Quoi? C'est du 762, ça. C'est possible, mais hein. C'est impressionnant quand même de voir ça. Regarde. Oh là là. C'est un peu hallucinant. Ça, c'est un verrou, ça. T'as vu? Regarde, moi, je toucherai pas trop avec les mains, c'est... Moi, tu as raison, ça reste comme des armes, ça reste oui, comme des choses... Tu sais que... Ça, c'est vraiment un verrou. Ouais. Mais ouais, regarde, t'as vu, il en a fait un... Ah oui, c'est... Attends, il a été limé. Non, j'ai pas la... je vois pas le percuteur, voilà, faut qu'il faut le... Non, je pense pas que j'arrive. Tu sais, généralement ça s'ouvre et tu peux les ouvrir. Ouais. J'ai trouvé aussi, l'autre fois des chargeurs aussi d'armes. Vous allez voir un peu, au moins on sait ce que c'est comme arme aussi, ouais. Mais j'ai pas encore trouvé les armes, ça va pas tarder. On a un extrait survivaliste, non? Mais ça c'est fou. Là. Regarde la tête, rouge comme ça. Ah oui. Mais c'est que les gens, c'est une signification. À cette époque, ils pensaient qu'il y avait une troisième guerre mondiale, alors ils stockaient des armes chez eux. Oui, c'est au cas où la guerre reprenait. Ça, c'est un obus de mortier, ça, non? Ah oui. Mais il est... Je sais pas s'il faut le prendre. Non, le touche pas. Je sais pas ça, si... On dirait un obus de mortier, ça. Il faut pas le chargeur, regarde. Pas... Bah, le chargeur... Ah oui, carrément. Un AK-47, ça. Bah ouais. Mais ça peut nous donner un indice si c'était un résistant ou pas. Comme ça. Et après... Bah ouais. Ah, c'était l'arme qui tirait ça. Je pense que c'était le gars, c'était un parachutiste, je pense. Parce qu'ici, il y a des parachutistes qui ont... C'est possible, hein. Non, c'est historiquement, ici, il y a des parachutistes qui ont atterri dans le coin. Ça, c'est un tube de mortier, ça. Ah, mais oui. Mais oui, je crois bien. Qui a servi. Oui, ah, mais il a, oui, mais je oui, pense il a qu'il a servi. Hein. Et ça, c'est le mortier. Waouh. Wow. Regarde, il n'y a pas des faux. Il faut pas faire des faux trucs. Parce que... Ah non, mais moi, je pense que dans ce grenier, il y a des choses cachées. Hein. Qu'il a caché parce que ça avait vraiment trop... C'était beaucoup trop... Non mais ça y était pas ça aussi. Regarde, C'est quoi ça? C'est pas un... J'allais dire un bazooka mais... Je me demande, hein. Non mais par contre c'était pour stocker, ouais. Alors attends, ça s'ouvre comment ça? Ouais, comme ça et tu... Ah, oh, c'est... Ça... Non, mais, moi je me méfie toujours des trucs piégés aussi. T'amuses pas trop quand même. Quoi faire? C'est assez lourd, hein. Ouais, ça fait son poids, hein. Il y a un bouchon. Ouais. C'est pas un lance-flamme ou un truc... Je sais pas ce que c'était. Pas, tu... Ah, mais là, attends, il y a des filtres. 936R 103. 936. On a le nom du modèle. Ouais. 1936 à 1940. Ouais, donc c'est ça écrit en pas, chinois. Ouais. Il faudrait une photo. Ouais. Et c'est pas 3000 l'étiquette. Avec le symbole français. Tu sais que ça, c'est un truc à servir. Ah, ça a servi. Donc, sûrement un ancien. Un ancien militaire. C'est à ce moment précis que je vais commencer à m'interroger sur la vie de ce plombier de profession, qui semblait être un passionné d'armes et surtout un collectionneur. Mais je vais vite me rendre compte que ce que nous avions trouvé n'était pas en réalité une collection ordinaire, mais une véritable réserve d'armes en vue d'une guerre, qui dans l'inconscient collectif devait nécessairement arriver. Cette guerre n'arrivera jamais. Et il est vrai qu'à peine la Seconde Guerre mondiale terminée, les populations avaient cette peur que la guerre allait reprendre. Et ils étaient nombreux à avoir fait des réserves avec tout ce matériel de guerre abandonné suite à la fin des combats. Mais à ce moment-là, nous étions pas du tout au bout de nos surprises. Ah, c'est des lanceurs. Regarde, t'as le percuteur au fond. Ah oui. En fait, ça devait être un long plomb, tu le penses et tu lâchais. Ouais. Et pouf. Ah oui, c'est ça. J'ai cru voir ça dans un film, tu vois. Je sais pas si c'est comme ça, mais ouais. Je suis pas un expert, je suis pas un armurier. Oui, oui. Ça là-haut, c'est quoi ça? C'est quand même... Regarde la flèche. Ouais. Ça c'est pareil, c'est un harpon ça. Oh là, regarde celui-là. Là. Il, ouais, est il est immense, beau. Hein, c'est... Et là, c'est qui là sur la statue? C'est un général? C'est pas de. Donc, de Gaulle. Ah si, il y a le nom là. Joffre. Ah oui. Joffre, c'est ça? Ouais. Joli. Ah mais ça c'est pour du M1-Garand ça. En fait. Mmh. C'était pour du Car 90 ou du M1-Garand ça. C'est 762. Ouais, c'était là-dedans qu'il stockait. Mais tu sais que là, il était prêt à partir le mec. Ah non mais c'est ça, le gars, la guerre reprenait. Oh la vache, oui, là il était prêt. Il était vraiment prêt, oui voilà, la guerre reprenait. Là aussi c'est pareil, tu vois, c'en est rempli. Là, en vrai, tu sais que c'est pareil, ça faut pas que ça... Boîte de réflexion Fulma. Oui, faut pas que ça rentre dans de mauvaises mains, tu as raison. Non. Mais c'est là, je me dis, c'est pas possible que la gendarmerie soit venue. C'est pas possible, je sais pas, j'ai des doutes. Pour mettre en sécurité. Soit l'explorateur nous a menti, avec son histoire de gendarmes qui sont venus. Soit...
Je tiens à préciser que d'après un autre explorateur qui s'appelle Chris, la gendarmerie serait venue dans cette maison pour récupérer les armes de collection qui se trouvaient à l'étage en bas. Mais ce qui est étrange, c'est qu'ils n'auraient pas fouillé le grenier. Et c'est là qu'il y a une énigme qu'on n'arrive pas à résoudre. Je ne comprends pas pourquoi les gendarmes se seraient contentés de vérifier les étages du bas et pas le grenier, qui est pourtant rempli de choses bien plus dangereuses que de simples fusils de collection. Et soi-disant, la personne qui m'a donné cette info aurait lui-même appelé les gendarmes et les aurait guidés sur les différentes armes de collection à récupérer. Mais alors, on peut se demander si ce qu'il m'a dit est vrai. Et si c'est faux, alors c'est qu'il y a quelque chose à cacher. Nous allons devoir mener cette double enquête pour savoir si ce qu'on m'avait dit sur ce lieu était vrai. Et au plus on va s'enfoncer dans ce grenier, au plus je vais réaliser que j'aurais jamais dû écouter ces soi-disant explorateurs. Attention à pas mettre la main sur une grenade ou sur une mine anti-char, parce qu'on n'est pas des chars. Hein. Allez, c'est parti. On arrive, regardez, dans une partie, on peut se relever. Attends, mais il est rechargé les masques à gaz. Ah oui, c'est ça qu'il y a. Ah oui. Et ça, c'est pour recharger le masque à gaz. Alors, fais gaffe là où tu vas mettre les pieds, là, parce que là, t'avances vers un endroit. Oui, mais c'est pour ça que je. Assez, il y a des grenades et tout, ouais, c'est. Oui, mais il y en a vraiment. Ah, ben c'est des obus, ça aussi. Ah oui. Une fois de plus, c'est des choses assez limites quand même. Tu vois, là, t'as. C'est vraiment des obus, tu vois, à percuter. Ouais, c'est. Tu les mettais debout, je pense. Ouais. Et ça partait. Et pouf. Et ça partait sur la ligne. La ligne de front ennemi, quoi. On faisait ça avec délicatesse, parce qu'on sait pas. Voilà, ouais, c'est moi qui. C'est tellement vieux. Ouais. Que j'ai même pas envie de toucher au cas où c'est un. Bah ouais, franchement, non, ça, pas, hein. Ces grenades là, ça peut péter quoi. Ouais, sûrement voler, ouais. Mais t'imagines, il y a un fou qui a volé des armes quoi. Là, c'est des jumelles, c'est un fou. Ah oui, possible. T'imagines, il y a un fou qui a quand même volé des armes ici quoi. C'est, voilà. C'est un taré chez lui. Qu'est-ce qu'il a, il est allé faire avec ses armes chez lui? Je sais pas, moi, il a envoyé un obus. Il y a de quoi faire. Enfin, je crois que c'est pas un terroriste quoi. Ça te rappelle pas un truc ça. Ah oui, un truc funéraire encore. On dirait, ouais. Ouais, avec plein de trucs de plus de valeur et tout de la personne. Avec le statut. Non mais c'est dingue hein. Là, une quoi? Ah bah oui, dans un landau tu sais. Ouais c'est ça, c'est un landau. Ouais, enfin ouais, une poussette hein. Ouais ouais. C'est ça, c'est l'ancêtre de la poussette. Ouais. Totalement ouais. Ouais, tous ces livres là. Non mais c'est, on a l'impression d'être dans la caverne d'Alibaba quand même. C'est ouais, assez. Moi, je ferais quand même gaffe parce que là t'as quand même des grenades. Ouais, on sait pas sur quoi on marche hein, par moment. Ça se trouve il y en a sous nos pieds. Hein. Ouais, c'est pour ouais. Ça. C'est... Ça se trouve il y a des mines par terre. Oh là là, il y a encore des cahiers d'école. Il y a encore des cahiers d'école là. Ah oui. Vous avez pas vu les deux ah là, oui, bah un peu comme dans le. Alors ça c'est de la valeur ça. Ça du pas... coup selon l'année méfie-toi. Hein. Alors, combien ça vaut ça? Cannes 35. Et quoi la canne? Tu dois avoir des putains de bijoux, ça qui était beau. Ah ouais ouais. 1935. Sûr, hein. 35 ouais. 35. Ah bah alors c'est de la valeur. 35 C'est comme voilà. L'autre lieu qu'on avait fait. C'est ça, c'est un peu plus récent mais. C'est beau, hein. Là en fait les amis, on est vraiment pendant la Seconde Guerre mondiale, là, complètement. Hein. 44 ça. 1944? Ouais, je pense, là, regarde. 8-1-44. Non. Et ça va peut-être servir, ça peut peut-être servir au débarquement ça. Tu sais quand ils ont débarqué sur les plages de Provence, mais un dieu du sang, ils avaient sûrement. Oh, non mais t'as raison. Mais tu sais que le sang, quand ça se détériore, ça ressemble un peu à ça. Ouais, ça prend un côté un peu noir. Ne touche pas. Donc ça va appartenir. Là-bas aussi. Ouais. Il ouais. Y a des gilets avec du sang. Donc. Ouais, il y a des gilets avec du sang dessus. Donc sûrement ouais. Que ça a appartenu, mais c'est, ça c'est émouvant. Hein. Cet objet, il a sa place dans un musée. Hein. Ça place dans un musée. Parce que ça a appartenu à un gars qui s'est fait tirer dessus. T'imagines, il y a son pote qui est à côté qui s'est fait déchiqueter. Bah, son pote il est là-bas. Plein de et le sang a giclé sur son. Sur sa tenue quoi. Il y a une année. Bah, j'imagine, je sais pas si c'est du sang hein, mais, ou de la rouille. Mais... Non mais. Ça ressemble à on du tirait, sang. Hein. On dirait des giclures, tu sais, comme si ça avait. Si ça avait giclé. Ouais, c'est fou. On va tomber sur, peut-être sur des vêtements aussi. Hein. Mais à mon avis, de base, regarde là, ça devait être fermé. Ouais. Peut-être là on passe, mais ça devait être fermé de base. Ouais. En découvrant de tels vestiges, c'est à se demander si l'ancien combattant du manoir n'avait pas participé au débarquement. En effet, cela ressemble à ce que pouvaient porter les marins qui ont participé à l'opération du débarquement de Provence. Mais je n'ai pas trouvé ces fameux gilets sur les photographies des soldats en noir et blanc. Et c'est là qu'il y a une nouvelle interrogation. Pourquoi il y aurait des traces de sang sur ces fameux gilets alors qu'ils n'ont pas été au cœur des combats ? Mais aussi pourquoi il les aurait gardés dans son grenier à côté de tout ce matériel de guerre. Je pense que certains objets ont un lien avec des événements personnels marquants de sa vie.
sûrement des proches qui seraient morts, dont il aurait gardé l'objet comme une relique pour s'en souvenir. Peut-être que finalement ce grenier était une sorte de lieu de mémoire pour cet ancien vétéran, un endroit où il pouvait se recueillir et penser à ses frères d'armes. C'est sûrement l'endroit qui était le plus personnel, puisque toute sa vie fut marquée par les guerres successives. Après avoir visité de fond en comble le grenier, nous allons explorer les dépendances et annexes qui vont nous en apprendre beaucoup sur la vie des anciens habitants du manoir. Et notamment, cela va venir nous confirmer plusieurs choses jusqu'à maintenant incertaines. Ah, c'est fou le nombre de trucs qui sont stockés. Tu vois, c'est parti des plus récentes, j'ai l'impression. Tu vois ? Alors, est-ce qu'elle est plus récente ou alors est-ce qu'il y a eu tout un type de rénovation Ou alors qu'elle s'était effondrée. Ou est-ce que c'est une extension ? Oui, c'est... moi je pense que c'est une extension. Mais moi je pense pas, parce que la porte d'entrée de base elle était là. Dessous là, c'est un. Ah oui, là, le il est parti. Ah oui, mais tu vois que c'est l'extension. Ouais, voilà, c'est ça, c'est pour ça. Moi je savais que j'avais cette info en tête déjà avant. Pour moi, c'est là où ils ont vécu en tout dernier, je pense. Bah, peut-être que ça, c'est une extension pour la famille. Ouais. Bon, après, il descend. Oui, il a été restauré. Parce que pour moi, c'était un peu un, pour moi, c'était un peu un appartement à qui louer, je pense. Tu vois, genre peut-être à des étudiants ou. 250, 60 pour moi. Mais là, t'as vu, les livres ressemblent un peu. C'est moins luxueux, tu vois, déjà. C'est pas moins luxueux, c'est. Bah, là, ça me fait penser plus à la maison du papé, là. Dans le style, les couleurs, tout c'est ça. Pas forcément plus luxueux ou quoi, en fait. Ouais. Moi, je pense que plus c'est plus luxueux, c'est moins luxueux. Ah mais il y a sa pipe. Et pour moi ? Bah, ou alors ça c'est ce que c'est ? C'est l'extension pour les enfants. Ah peut-être. Peut-être les enfants, ouais. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah ouais, dégoûtant. Il y en a qui a. Ah ça sent pas bon en plus. Il y en a un qui a fait ses besoins là. Ah ça sent vraiment pas bon là, c'est... je suis d'accord. Mes amis, on explore là. Dépendance. Regardez la vieille télé. Tu vois, c'est cette partie la plus récente. Tu vois, même le téléphone, ça c'est un téléphone des années 2000. Donc, par contre, il y a des. Il disait des trucs un peu. Je sais plus où c'est, mais. Est-ce que t'as vu la baignoire ? Faut que tu vois la baignoire un peu. Putain, c'est flippant ça. Y a un truc dans le frigo ? Non, y a rien, c'est vide. Ah bon ? Regarde la. Regarde par la fenêtre là à droite. Regarde la salle de bain. Oh. C'est flippant, hein. Oh mon dieu. Ah non. Oh putain, ça fait. Ouais, ça a été habité. Ouais. Ouais, t'as vu, c'est quand même moins beau, mais ça reste aussi ancien. On voit que ça a été habité. Il y a encore des. Je poste au radio et tout. C'est pas la partie la plus intéressante, mais en fait, en fouillant, il y a beaucoup d'archives du lieu, en fait. Non, c'est joli. Oui. En fait, je crois qu'il y a tout en route pour l'incendie. C'était un peu là. Ouais. Ça. Quoi ? Ah, oui. Elle est encore à 52%. Ah oui, 52%. C'est bizarre, ça. Regarde, il y a quand même une clope qui dit que je pense. Non. C'est 52%. C'est n'importe quoi, c'est bizarre. Il y a des trucs à savoir. Hein. Ouais. C'était squatté. Oui. Ça, par contre, c'est intéressant. Par rapport à l'histoire. C'est un truc de la. On dirait de la marine. Ou alors, c'était le gardien ici. Là, c'était un truc militaire. On dirait, non ? On dirait des casquettes de la marine. Enfin, pas au grade, je pense pas. Mais ça nous, nous aiguille un peu sur le métier. Là. Parce qu'il paraît que cette partie-là a été habitée bien plus tard. D'accord. Ouais. Regarde, encore un vieux téléphone, un vieux combiné. Aussi ah oui, il y a des. Je sais pas si ça a de la valeur. Après, ça n'a pas forcément beaucoup de. Je sais pas si c'est de la valeur, je pense pas. Non. S'ils l'ont pas pris, c'est que. Ah, quoique, voilà, la bague et tout. Ouais, ça m'étonne qu'il n'ait pas été. Ah, mais après, il y avait. J'ai l'impression qu'ici, ça n'a pas été trop visité. Putain. Tu as vu un peu les. De ces bons. Les monnaies d'époque, là. Quoi ? Regarde. Ah ouais. Avec l'aigle. Attends, c'est quoi ça ? Ah non, c'est pas l'aigle. C'est Ah, elle est belle cette pièce, hein. Ouais, c'est des francs, je crois. C'est vrai, là, c'est noir, là. Bah oui, c'est ça, c'est pour ça. C'est bien. Et c'est là qu'il y a des grades. Ouais, c'est important de le savoir, ça.
un militaire, tu vois. Regarde, c'est quoi comme gratte, ça, déjà? Ouais. Je sais pas. Ça se met sur les épaulettes. Ouais. Oui, ça, c'est sur les épaulettes. Ça, c'est se met devant. Alors, ouais. Non, je crois pas. Hein. Ouais, parce que le plafond est très haut en fait. D'accord. Ouais, regarde la bague aussi. Ah oui. Avec l'aigle. C'est un peu la bague nazie, tu sais, de. C'est vrai que ça. Le soldat SS, tu vois. Ce que nous pouvons quasiment affirmer suite à cette enquête, c'est que ce lieu appartenait dans le passé à un vétéran qui avait monté son entreprise de plomberie avec sa femme, elle-même sûrement une danseuse originaire d'Indochine, qu'il aurait donc rencontré dans sa jeunesse. Très tôt, il aurait fait partie de ces jeunes envoyés sur le front lors de la Première Guerre mondiale sous les ordres du maréchal Joffre. Il aurait même survécu à ces batailles qui, vous le savez, ont arraché 1,5 million de vies de soldats français et 25 millions au total. Concernant la Seconde Guerre mondiale, sa vie est un mystère. On n'est pas sûr qu'il ait participé au débarquement de Provence. Mais je pense qu'il a dû s'impliquer sous la Deuxième Guerre mondiale, c'est même certain quand on voit qu'il stockait autant de munitions dans son grenier, au cas où la guerre reprenait. Nous avons donc exploré la maison de véritables héros qui ont participé à sauver et à libérer le pays. Et c'est vraiment émouvant de s'en rendre compte. N'oublions jamais ces personnes qui se sont sacrifiées, et ce genre de lieux abandonnés sont en réalité de véritables lieux de mémoire que certaines personnes n'ont aucune scrupule à piller et à voler. Les amis, cette enquête est en partie terminée, nous avons pu découvrir une partie de l'histoire de ce lieu et je vous invite à vous abonner pour pouvoir accéder à du contenu de plus en plus qualitatif. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain à 18h pour de nouvelles explorations.